Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Quand un grand écrivain du XXe siècle part en exil et décide d'écrire sur la condition paysanne. La trilogie « Dans leur travail » de John Berger est un texte qui avait été publié il y a de nombreuses années par les éditions du Seuil. La maison d'édition Héros Limite à Genève a décidé de le faire entièrement retraduire par un traducteur qu'on ne présente plus, qui est Brice Mathieu-San. Ça donne un texte absolument incroyable et l'occasion de redécouvrir un très grand livre de littérature, évidemment. John Berger est né en 1926, il a eu le Booker Prize en 1972. L'année suivante, il décide de s'installer en France, dans une ferme dans laquelle il passera beaucoup de temps, à Mieuxcy, en Haute-Savoie. Et c'est là qu'il fait la connaissance des paysans qui travaillent et qui lui racontent un petit peu les mutations que cette société paysanne a connues. Tout cela nous donne un texte extrêmement dense, à la fois poétique, qui est une succession de nouvelles. Et c'est un livre vraiment attachant et aussi un travail d'un écrivain qui n'avait pas, je crois en tout cas, prévu de s'inspirer et de travailler dans ce sens-là. À sa sortie en 1992, dans sa traduction, il est paru en anglais, ce texte, aux États-Unis. La presse avait comparé ce livre à « Cent ans de solitude » de Garcia Marquez. Je dois dire qu'à la lecture, j'y ai effectivement beaucoup pensé. Donc c'est plutôt une référence, je crois, assez engageante. Et je vous souhaite vraiment une très bonne lecture de ces très beaux textes. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.